C'est bon pour nous. Bonjour les Casimiriennes. Salut Casimirien. J'espère que vous allez bien. Alors, j'invite ceux qui nous rejoignent pour la première fois à regarder l'épisode 1 de notre aventure On part en croisière, dans laquelle on explique un petit peu le pourquoi de cette série de vidéos et comment on est passé du camping-car pour un tout petit moment à la croisière en bateau. Voilà, cette vidéo étant la suite de l'épisode 1. Donc, Épisode 2, donc. voilà, épisode 2, c'est aujourd'hui, de notre croisière avec ma maman. Alors, nous avons donc navigué toute la nuit pour arriver ce matin à Barcelone. Alors, ce n'est pas nous qui conduisons, hein, ni Thierry, hein, parce que sinon, je pense que ce serait mal parti. Hein. Ça rame, qu'est-ce que vous voulez dire? La nuit s'est bien passée et nous arrivons en tout début de matinée, enfin tout des fin de nuit, on va dire, à la levée du jour, dans le port de Barcelone. Un petit moment d'émotion, hein, et puis de jolies photos qu'on a prises. Alors, il devait être peut-être 6 h du matin ou 7 h du matin, voilà. Donc, c'est un peu matinal, mais nous, on aime bien regarder l'arrivée au port, c'est toujours symbolique. Alors, nous n'avons pas débarqué à Barcelone, hein, parce Non. que c'est un choix, parce qu'on a déjà fait une vidéo sur cette ville, alors, et qu'il y a plein, plein, plein de choses à voir, mais comme c'est une étape de nos voyages quand on va en Espagne, encore camping-car, eh bien on s'est dit, on préfère garder cette ville pour vous la montrer du côté camping-cariste avec ce qu'on peut visiter, Et en etc. plus, on était fatigué. Alors, ma maman était fatiguée, il a fallu la veille partir de bonne heure de la maison pour arriver au port de Marseille, l'embarquement, la soirée, voilà, les émotions, beaucoup d'émotions. Donc c'est vrai qu'elle était fatiguée, puis nous aussi, hein. Voilà, on va pas se Lui cacher. aussi était fatigué. Nous aussi, on était fatigués. Ah Bon, lui, il est pas venu, hein, donc. mais il était fatigué quand même, il restait 8 jours à dormir à la maison. Alors, Donc voilà. Donc on s'est dit, il est crevé. on s'est dit, pourquoi pas profiter de cette journée que tout le monde est parti dans Barcelone, enfin tout le monde, presque tout le monde. Pour ne rien faire. Donc nous, on s'est dit, bah, on va profiter, comme ça on va pouvoir visiter le bateau, vous faire visiter tranquillement. Il n'y avait pratiquement personne, c'était super sympa. Voilà. Mais bon, je vous en dis pas plus. Vidéo! Vidéo. Bah alors, t'as bien dormi ce matin, cette nuit? Super, super. J'ai même pas rêvé rien. Tu t'es endormi, réveillé. Bah dis donc, c'est quoi que t'as devant toi? C'est ton petit déjeuner dans la cabine. Ah oui, t'as du sucre roux et du sucre blanc. Non, c'est du lait. Non, à côté, l'autre là-bas. Oui, À côté, encore à côté. Regarde. oui, là, T'as du j'avais sucre même pas blanc. vu. Et puis, il y a quoi sous cette la petite cloche là? Wow, attention. Wow. Ah, du beurre. Avec du beurre, tout est meilleur. Eh ben, bon appétit. Merci beaucoup. Nous, on va aller déjeuner au restaurant. Voilà. Petit déjeuner au restaurant. Et Bon puis, appétit. vous êtes tous les deux Voilà. comme deux amoureux. Voilà. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu fais quoi? Je me recoiffe Ah. un peu. T'es une coquine. Allez, coiffe-toi qu'on aille se balader. On aille visiter le bateau. Oui, mais je regarde les manutentions depuis ce matin. T'as vu, on voit la Sagrada Familia du balcon. Ah non, j'ai pas vu. T'as pas vu? Bah, faudra que tu sortes tes jumelles.
Au-dessus, vous avez un grand immeuble. Derrière. Regardez sur la gauche, vous avez un bâtiment avec plein de tours. C'est, bah, c'est la Sagrada Familia. Nous, on l'a visité, c'est formidable. Café avec le bar. Par contre, ça, c'est une pièce jolie. Hein. C'est joli, hein? Regarde le plafond. Ouais. T'as vu, mamie, le plafond? Le plafond, oui. Regarde en haut. T'as vu? Tout en haut, tu te vois. Attends, regarde, on va te voir. Oh, bah, dis donc, t'es pas belle, hein? T'es toute déformée. T'es pas mal, hein, Thierry? Il a dit quoi, ça? Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Il a laissé mamie là 8 jours. Non! T'as dit que. Voilà. C'est le canari! On dirait un canari en cage! Un canari en cage! Oh, la prise de mec! Et toutes les cages à canari. Eux, point de ralliement pour nous. Ah, c'est là? T'as vu? D'accord. Bah, c'est là ou là-bas, t'en as plusieurs, hein. Non, mais ils disent qu'il faut aller par là. Voilà, c'est dans les hauts. Allez, vas-y, avance. Ouais, c'est magnifique. Alors ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Ah oui, c'est un bar pour... Bar Voilà. Là, c'est le casino.
T'as faim, mamie? T'as faim? Cette promenade dans le bateau, t'as ouvert l'appétit. T'as de la chance, hein, tu peux regarder dehors pendant qu'on mange. C'est joli, hein? Ouais. Tu vois quoi? La mer. Ah, tu vois la mer. Tu es contente de voir la mer? Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de ta première journée de croisière? Super, super. Ça te plaît? Non. Bah, demain. On a encore 7 comme ça. 7 jours. Bon, Barcelone, à bientôt. À bientôt, Barcelone. On se voit bientôt en vélo. J'espère qu'on a réussi dans cette vidéo à vous embarquer dans notre croisière et à vous faire participer à cette émotion que l'on a pendant ce voyage. Oui, oui. Alors, la prochaine vidéo sera l'épisode 3, hein, avec une escale à Palma de Majorque, une très belle cathédrale avec plein de jolies photos et plein de jolies vidéos et des émotions. Mais je vous en dis pas plus, ça sera pour la prochaine vidéo. Donc, alors, pour ne pas louper le prochain épisode, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé de la sortie de la vidéo. Bye bye, le Casimirienne. Ciao, 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 le Casimirienne.